Saint-Germain. Alors, ce match ? Dur, match de reprise compliqué pour nous. On s'est fait cueillir par l'équipe de Chartres qui a été une très très belle opposition. On en sort avec un match quasiment nul à la mi-temps. Je suis assez content parce qu'on a su se réveiller sur la deuxième mi-temps pour enfin et finaliser par une 10e victoire de suite. Ce qui fait de nous encore les premiers ce week-end. Le score à la fin ? Le score c'est 17-12 pour l'équipe réserve de Nantes. Prochain match, si je dis pas de bêtises, on joue à Orléans. C'est ça. Donc on a fini notre premier match des phases retour. Ça faisait 2 mois qu'on n'a pas joué, un mois et demi qu'on n'a pas joué. L'objectif de cette semaine, la semaine d'avant ce match, on a travaillé beaucoup sur les rucks, les mauls portés, beaucoup sur les jeux d'avant, l'agressivité, parce qu'au match aller, premier match de phase aller, on a été un peu pris là-dessus, on a pris 1 ou 2 essais sur les mauls portés. Donc les avants ont bien répondu à leur objectif de la semaine de travail. Ils ont marqué 2 essais sur mauls portés. Dans les rucks, ils ont mis beaucoup d'agressivité. Ils ont mis 9 sur de bons rails. Ça, c'est un très bon point. Derrière, on a très bien défendu. Ils n'ont pas marqué de points ce match-là. En attaque par contre, on n'est pas passé sur le premier temps de jeu, ils avaient une très bonne défense aussi, il faut le reconnaître. Donc je pense que c'est un axe à travailler dans les semaines à venir. Donc je félicite vraiment notre pack d'avant, les 8 de devant qui ont fait leur boulot ce soir. Et leur victoire est dédiée à eux, on finit sur un score de 37-0. Donc on prend le bonus offensif, c'est un très bon point aussi. Et donc cette semaine on va se remettre au boulot parce que le week-end prochain on se déplace à Orléans. Ok, merci beaucoup. De rien, Joanne.